La production de cette série « Mes racines, mon histoire » est rendue possible grâce au programme Fonds d'action culturelle communautaire du développement des communautés de langues officielles de patrimoine canadien. Mes racines, mon histoire. Bienvenue à une autre édition de « Mes racines, mon histoire », l'émission où on va à la rencontre de jeunes entre 12 et 30 ans à Edmonton, en Alberta, au Canada. Présentation. Bonjour tout le monde, mon nom est Manuela Ramadi, j'ai 21 ans et je suis à l'université, j'étudie en criminologie. Un fait sur moi, je suis arachnophobe et ophiophobe. Oui, j'aime pas les serpents. Je m'appelle Gabriel Balestri, j'ai fini l'université en novembre 2021. J'ai fait un diplôme en études canadiennes et j'aime beaucoup l'informatique. Alors Manuela, on part sans musique. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous amène au Tchad, dans mon pays natal. Je vais vous présenter une chanson. Le titre, c'est « Nettoie ». Et elle a été chantée par un chanteur assez connu chez nous, qui est originaire de mon village. Et il le chante même en ma langue maternelle. Et cette chanson, c'est pour donner du réconfort à toutes ces femmes qui ont la pression sociale sur les épaules, qui sentent qu'elles n'en peuvent plus. Il les rappelle que nous sommes le gendre fort. Et que les hommes seront toujours là pour nous, mais il nous rend plus forts dans cette chanson et je l'aime beaucoup. Maya dumba ibu mande netwalo
mama imuro yon po Ti kori dmai po kara Ti rogu idu kul kara Mbaya dmbay po Aunque ya ves que no
C'était Color Esperanza de Diego Torres. Et dans cette chanson, il nous dit qu'il faut qu'on prenne des risques, qu'on embarque. C'est mieux se perdre que de ne jamais sortir en aventure. Et il parle aussi de que l'impossible peut se réussir, finalement, même si ça paraît une contradiction. Et qu'il faut qu'on se peigne le visage de la couleur de l'espoir. C'est quelle couleur, ça ? Je ne suis pas trop sûr, ça doit être une couleur très vive, peut-être un rouge très fort. Et maintenant, j'aimerais savoir où êtes-vous né? Et aussi, en deuxième lieu, pourquoi vous êtes venu en Alberta? On va commencer avec toi, Manuela. D'accord. Moi, je suis née au Tchad, à N'Djamena, précisément à l'hôpital de la Liberté. Je suis née le 30 décembre à minuit. Donc, je suis venue en Alberta pour les études, premièrement, parce que mon grand frère est venu ici quand il avait 18 ans pour étudier. Donc, plus tard, après, je suis venue quand j'avais comme 16 ans, parce que l'ambiance dans notre pays commençait à devenir très dangereuse avec les enlèvements, les viols et tout. Et ma mère, comme elle voyage trop, elle ne pouvait pas être au pays pour me prendre soin de moi. Et ma grand-mère, elle s'était affaiblie. En ce moment, elle était un peu faible pour être là tout le temps derrière moi. Donc, elle s'est dit que ça serait bien qu'elle me protège. Donc, elle m'a envoyée ici quand j'avais 16 ans pour venir étudier. Puis, je suis restée. Puis, le Tchad, c'est comment? Ah, le Tchad, c'est beau. C'est très beau. Mon pays me manque. Malgré les turbulences et autres, à part ça, c'est un très beau pays, bon convivial. Tout le monde est... très solidaire. La solidarité au Tchad, c'est quelque chose, vraiment, il n'y a pas les mots pour dire. Comme important. Ouais, c'est une valeur importante. Oui, très important. Et il y a aussi le respect des aînés. Franchement, je vous invite à aller voir le Tchad quand tout ira mieux. C'est un très beau pays. Merveilleux. Et pour toi, Gabriel, où es-tu né? Moi, je suis né à Edmonton, en Alberta, mais je suis parti quand j'avais 2 ans au Chili. Et ça fait... j'ai passé là-bas 17 ans. Et pendant ces 17 ans, j'ai connu tous mes amis là-bas. C'était comme la famille pour moi. Et finalement, je suis venu quand j'avais 19 ans. Je suis retourné au Canada avec mes parents parce que ma grand-mère habitait ici. Et donc, on est retourné parce qu'elle est restée avec nous, vivre avec nous pendant 4 ans, oui. Donc, tu as beaucoup de famille ici? Oui, ma cousine, mes oncles. J'ai 2 tantes qui sont aux États-Unis, mais... Ah oui? Oui. Est-ce que tu as de la famille aussi ailleurs qu'aux États-Unis ou au Canada? En France aussi. En France aussi? Oui. À Nice, oui. Et puis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je sais là, que tu es née en Alberta, là, mais tu as passé beaucoup de temps aussi ailleurs. Oui, au Chili. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire du Chili? Le Chili, c'est un très beau pays. C'est un des pays qui a le plus de côtes maritimes au monde. Parce que mais oui, c'est vrai, c'est toute une longue bande. C'est toute une longue bande, oui. Ça rappelle un peu la forme du piment piquant. Piment là. Fort, oui. Un piment fort. J'aimais beaucoup aller à la plage. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je dis toujours, je suis chilien de cœur. Et ben c'est oui. Vraiment ça. Puis la culture, hein, c'est un pays où la culture est très importante dans le sens, tu sais, l'émancipation des artistes. Il y a beaucoup d'artistes au Chili. Il y a beaucoup d'artistes au Chili. D'ailleurs, j'en ai choisi quelques-uns qui viendront plus tard dans la liste. Oui. Maintenant, on va écouter Ego de Will.i.am. Et c'est une chanson, en fait, qui parle de quelqu'un d'assez introverti qui a du mal à sortir de sa bulle parce qu'il parle à son miroir et il se regarde. Et après, une fois sorti de sa bulle, ce monde qu'il avait construit s'effondre un peu. Et puis, il demande à son miroir comment ça se fait que j'ai changé, j'ai vieilli. Et parce que dans l'interaction avec les autres, ça nous fait nous développer aussi. Évoluer, oui, c'est ça. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez.
soleil, tu illumines ma vie. Telle une étoile filante, tu m'éclaires et m'éblouis. Bor maïde da demaï, bor nyana kinga du demaï. Bor gusu du laundam, bor bando du dekula. Bor goiba mam chetou. Makama kunda karumbo, karumbo, karumbo. Bor goiba mam chembi. Makara kosu kachimbo. Gajimbo, gajimbo, et ça je le sais, je le sens, je le vis, et je te l'avoue, tu es mon plus beau cadeau. Les beaux jours de mes nuits, tel le regard d'une reine, tu alimentes mes envies. Tel un charme d'une diva, tu es ma Myriam Makeba. Tel une allure de première dame, tu es ma Michelle Obama. Bor maï la ou donne toi, bor djene kinga du déla. Bor ba djene ramba, bor djekon ou de da dendaï. Bor deiva mam tidou. Makunda karumbo, karumbo, karumbo. Bordo iba mam jembibo. Makara kosu gajimbo, gajimbo, gajimbo. Tu es mon plus beau cadeau. C'est du même chanteur que le premier, toujours Maondoué. Et il a chanté cette chanson pour sa femme parce que lui, il est artiste, chanteur et producteur. Et au Tchad, ce n'est pas très reconnu comme un vrai métier. Donc, sa femme, elle est médecin, elle. Elle a sa clinique. Donc, pour lui, c'est un peu comme il se sentait inférieur à sa femme et la société lui faisait croire qu'il est inférieur à sa femme. Donc, il a chanté pour... elle. Sa femme, elle aussi, elle a commencé à avoir des doutes sur eux et tout. Ouais. Oui, donc, parce que ça joue sur, nos croyances intérieures, hein, ce que les gens pensent de nous. Ouais. C'est ce que la société nous fait croire. Donc, il a chanté cette chanson pour reconforter sa femme, pour qu'elle sache que c'est son plus beau cadeau. D'ailleurs, dans les paroles, il dit qu'elle est sa Michelle Obama et tout ça. Oui, c'est une très belle chanson. C'est beau, ça. Ouais, je l'ai choisie parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc j'ai très aimé la chanson. C'est un bel hommage. Ouais. Maintenant, quel est le souvenir le plus ancien de votre petite enfance, Manuela? Alors, j'en ai plein, mais je vais choisir une qui est très drôle. Okay. C'était quand j'étais comme à la maternelle. Et c'était ma mère qui m'amenait à l'école à l'époque-là. Elle est son chauffeur du travail. Et là, ma mère, à chaque fois que j'allais à l'école, elle me remettait l'argent du goûter.
Et elle me remettait comme les 1000 francs, les 2000. Et à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, 1000 francs, 2000, c'est une grande somme pour remettre à un enfant. Absolument. Oui, et jusqu'à aujourd'hui, elle dit « Oh, t'aimes trop l'argent, t'aimes trop l'argent ». Et quand j'étais petite, elle me remettait toujours les 2000, les 1000 francs et tout. Et un jour, on arrive à l'école, elle me remet une pièce de 100 francs. Et là, je regarde la pièce, je la regarde et j'étais en mode « T'es sérieuse ?» Elle me dit « Bah ouais ». J'ai dit « Mais non ». Je veux mes 2000 francs. Et là, je me mets à pleurer, à me rouler par terre et tout. Et elle avait honte parce qu'il y avait les yeux des gens me regardaient et tout. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, moi, je veux mes 2000 avant d'aller à l'intérieur. Et là, ta ma maîtresse, paix à son âme, elle vient et elle me dit, non, ça va, viens, ta maman, elle m'a remis les 2000 pour que je te remette et tout. Et après, maman, elle me dit, on va s'attraper à la maison parce qu'il y avait les gens, ils ne pouvaient pas me donner une fessée. Ben non, il n'y avait pas de fessée coup, en direct devant tout le monde. Oui, donc on arrive à l'école et ma maîtresse, elle me calme, elle me donne mes 2000 francs et je m'achetais juste des bonbons avec en plus. Oh, ouais. Ben c'est pour ça qu'elle voulait te donner seulement 100 francs. 100 francs ce jour-là. Il faut conserver tes dents. Ouais. Ah, les mères, hein, ça pense à tout. Et pour toi, Gabriel? Pour moi, je crois que ça serait quand j'étais à l'école maternelle et mon professeur me disait toujours de ne pas courir et je courais toujours et un jour... J'ai couru et je suis arrivé jusqu'à la porte de la salle de classe. Et c'était des portes à l'époque en ferraille, mais avec une vitre. Ouais. Et je suis rentré droit dans la vitre et la vitre s'est effondrée. Oh non. Et heureusement, je ne me suis pas coupé. Oh. Donc, ça aurait pu être vraiment dramatique. Ah oui, ça là. Aurait pu être terrible. Je devais avoir 5-6 ans. Oui. Je causais plein de problèmes à l'école. C'était terrible. Ah, toi? Oui. Mais je ne te connaissais pas comme ça. Non, à l'époque, j'étais... Quand tu étais petit. Oui, j'étais un peu fou. Je cassais toutes les règles. Ah oui, hein? Oui. Puis ça s'est calmé vers quel âge, tu dirais? Au secondaire, oui. Ah oui, au début, je pensais que tu allais me dire, c'est pas encore tout à fait calmé. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Non, jamais, vous êtes au creux de moi. En tout ce que je fais, mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Non.
ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Donc la chanson que vous venez d'entendre, c'est « Je ne vous oublie pas » de Céline Dion. Et cette chanson, je pense qu'elle a chanté pour son mari disparu et aussi pour ses fans, je crois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très fleur bleue, donc j'ai choisi cette chanson pour toutes mes personnes chères qui sont parties très tôt. À chaque fois que je l'écoute, je pleure, mais je suis trop sentimentale. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Et la première fois que j'ai découvert cette chanson, c'était quand j'avais perdu mon chien, qui est un peu comme mon petit frère, Commando. Ouais, je l'ai écouté et j'ai vraiment pleuré. C'est pour ça que ouais, j'ai choisi cette chanson aujourd'hui. C'est vrai que ça peut vraiment faire beaucoup de peine de perdre un animal. Hein? Franchement, ouais. Ouais. Et maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a des histoires, par exemple, des personnes plus âgées dans votre famille, des histoires de famille ou même de vos ancêtres qui sont parvenues jusqu'à vous? Oui, en fait, mon arrière-arrière-grand-père, quand ma grand-mère est née, il avait une radio parce que ma mère vient de Guyana. Et au Guyana, quand ma grand-mère est née, mon arrière-arrière-grand-père, il avait une radio, un système de radio, un des premiers au Guyana. Et il a diffusé, il a annoncé à tout le monde qu'elle était née et qu'il était très fier. Oh, c'est beau. C'est ça qu'il a fait. Guyana, c'est-à-dire, ça c'est anglais, hein? Anglophone. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a la Guyane aussi. Il y a la Guyane française. Oui, c'est ça, mais toi tu parles de Guyana. Alors, tu as ça dans ton bagage aussi? Oui, c'est-à-dire du côté de ma mère. Je ne suis jamais allé visiter le pays. Ah non? Non, mais c'est très, très... quelque chose que je t'ai encore. Tu portes dans ton cœur, ouais. Mais peut-être qu'un jour tu vas aller visiter. Oui, j'aimerais. Oui, t'aimerais bien. Ça. Hein? Oui. Ma mère est allée depuis, mais je n'ai pas eu la chance de faire ça. Et pour toi, Manuela? Alors pour moi, elle me vient de ma grand-mère, c'est elle qui m'a raconté. En fait, mon arrière-grand-père était chef de notre village, comme le roi de notre village. Mm-hmm. Et donc, elle était destinée à être une princesse, donc se marier aussi à un prince d'un autre village. Bien oui. Mais mon grand-père, il a fait son apparition, donc elle est tombée amoureuse de mon grand-père. Et mon arrière-grand-père, il n'était pas très, très content. Donc, les deux ont dû s'enfuir pour fonder notre famille. Donc, si c'était pas enfui, je pense pas que... Tu serais pas là. Non, mais de là te vient le romantisme. Oui, je crois, oui. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. On a entendu « Gracias a la vida » de Violeta Parra, qui est une cantatrice chilienne, compositrice aussi, elle jouait la guitare. Et pendant la dictature, elle a été persécutée. Ouais. Donc, c'était... Pourquoi ? Parce que à l'époque, la droite, l'extrême droite, les dictateurs ne voyaient pas trop bien l'intérêt de l'art. Alors, d'ailleurs, tous les étudiants d'art se faisaient attaquer par la police. C'était terrible, oui. Et dans cette chanson, d'ailleurs, elle remerciait la vie, toutes les petites choses qui lui ont été données. Elle disait les yeux pour pouvoir voir le monde. Et aussi, d'un côté, l'amour qu'elle avait pour son peuple aussi. Et elle parle de ça dans la chanson. Elle dit aussi qu'elle remercie tout le monde parce qu'ils ont aimé sa chanson et ils l'ont supporté, ils l'ont aidé. Et puis... que c'est aussi la voix du peuple qui vient par sa chanson. J'ai comme l'impression que vous parlez plus qu'une langue ou même deux langues. Est-ce que je me trompe, Gabriel, toi? C'est vrai, oui, je parle trois langues. L'anglais, mm-hmm. le français et l'espagnol, bien sûr, oui. Mm-hmm. Et comment c'est de parler trois langues, tiens? Parce que moi, j'en parle deux. J'essaye de parler espagnol, mais il va falloir que tu me donnes des cours. Hein? Ah oui, on peut pratiquer. Ah oui, mais oui, je vais t'engager, là. Ça crée une ouverture, non? Oui, c'est un autre point de vue. On construit les phrases différemment. Ça nous fait penser d'une autre façon aussi. Je crois que c'est très bon dans ce sens-là. Et ça nous force aussi à avoir un vocabulaire plus vaste, oui. C'est vrai, ça. Et pour toi, Manuela, quelles sont les langues que tu parles? Moi, je parle le français, l'anglais, un peu l'arabe tchadien et aussi ma langue maternelle, qui est le Ngambay. Redis-moi le nom, c'est... parce que moi j'ai entendu Gambite, mais oui, peut-être... Oui, c'est Gambay. Gambay. Là, je vais faire exprès. Est-ce que tu peux me dire une petite phrase en Gambay? Quelque chose de romantique, tiens, parce que t'es romantique. Oui. Donc, je vais dire « Imandian », qui veut dire « Vous êtes très belle ». Oh, ouais. C'est... Oui, mais attention, c'est... là, je rougis. Là. on va passer la chanson « Aïcha » de Khalid. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi parce que fut une époque que j'étais très amoureux de quelqu'un qui est un peu de ce pays-là aussi. Donc ça, ça, me,
ça me rappelle beaucoup de choses. C'est une chanson que j'ai entendue avec cette personne aussi et ça crée des liens aussi d'écouter la musique ensemble. Bien sûr, tellement. Puis c'est une belle chanson. Oui. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois
glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la désirée. Il de moi un criminel, c'est qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus seule? Quand ces mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel. M'adultiner, laissez-moi vous être infidèle. J'aimerais être homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Écoutez Belle de Gims, Dadju et Slimane. C'est une reprise de Belle de Garou. Et c'est une très belle reprise d'ailleurs. J'ai choisi cette chanson parce que. Tellement vrai. Ouais, elle est très harmonieuse, l'accompagnement de leur voix et tout. Et les paroles aussi très poignantes. C'est pour ça que j'ai choisi la chanson. Il peut y avoir des traditions ou des fêtes spéciales qu'on célèbre. Manuela, toi, est-ce que vous avez ça, des traditions spéciales, des fêtes que vous célébrez ensemble? Franchement, on a juste la fête de Noël, oui, qu'on fête chez nous, et le Nouvel An, comme tout le monde, oui. Mm-hmm. La Noël est très importante chez nous, en plus qu'on est une famille de croyants, oui. Surtout ma grand-mère, c'était une fervente croyante. Donc, la Noël, c'est même quand, si économiquement parlant, ça ne va pas, on se débrouille à faire une grande fête de Noël, parce qu'on adore ça, la Noël, chez nous. Ah, oh, c'est beau! Comment vous célébrez, vous, comme partout ailleurs? Vous vous faites des cadeaux, vous mangez beaucoup? Oui, franchement, on se fait des cadeaux, comme à la nuit de Noël. Je me rappelle quand on était petit, à la belle époque, on recevait des cadeaux et tout. La nuit, mon papa ou ma maman, non, mon beau-père ou ma maman, ils viennent, ils déposent des cadeaux en dessous du sapin et tout. Et le matin, on se réveille, étant donné que moi, je suis née le 30, j'ai plus de cadeaux que donc. Ben oui, il faut compenser. C'est mon époque, c'est ma fête préférée. C'est aussi à toute la famille qui vient de partout, à la maison. Il y a les cousins qui courent partout. Franchement, c'est... Ouais.
on le fait. Fantastique. Et pour toi, Gabriel? Moi aussi, je fête la Noël et le Nouvel An, et aussi la fête de la lumière. De la lumière? Oui, il y a dans la... Je ne suis pas indien, mais ma mère aime beaucoup la culture indienne. Et elle aime, un jour dans l'année, elle allume des bougies, mm-hmm. elle éteint toutes les lumières. Okay. Un peu comme il y a aussi le jour de la planète. Oui. Mais, est-ce que c'est indien dans le sens de l'Inde? De l'Inde, oui. Elle fait ça et puis elle me force à éteindre l'ordinateur et tout, ce qui est bien aussi. Ça me force à passer un peu de temps avec elle et mon père. Toi qui aimes l'informatique, oui. hein? C'est tout un sacrifice. Alors, cette chanson qui va passer, c'est « Les yeux de ma maman » de Kendji Girac. Je l'ai choisie parce que dans cette chanson, il décrit sa complicité avec sa mère, comment sa mère, c'est toute sa vie, c'est son univers. Un peu comme moi, d'ailleurs, ma mère, c'est toute ma vie, c'est mon univers. Je l'ai choisie pour ma mère et pour ma grand-mère qui, elle aussi, quand j'étais toute petite, jouait le rôle de ma mère quand ma mère voyageait parce qu'elle voyageait trop pour le travail et c'était ma grand-mère qui était plus comme ma mère. Ah, okay. Ça a même fait que j'étais plus habituée à ma grand-mère qu'à elle et ça la rendait tellement triste quand elle venait me chercher et que je me mettais à pleurer. Ça la rendait trop triste. Quand j'ai froid, elle se fait lumière comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines verse mon cœur des mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Thank you.
Là, on a écouté Todos Juntos de Los Jaiva, qui sont un groupe musical du Chili. Et dans cette chanson, il parle qu'il y a une seule planète, qu'on est tous ici ensemble et qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas apprendre à s'aimer, à vivre, ben ouais, vivre ensemble. Ensemble, oui. Et ça veut dire quoi, Todos Juntos? Tout le monde ensemble. Ah, tout le monde ensemble. Oui, c'est okay. Ça. Est-ce qu'il y a des causes ou des enjeux sociaux qui vous parlent, qui vous font penser « Ah, moi, j'ai vraiment envie de m'impliquer ». Je crois que pour moi, c'est la cause des animaux et aussi de la planète, surtout, d'essayer d'arrêter le réchauffement climatique, le changement climatique, d'arriver à une entente, à trouver des moyens de continuer à avoir certains conforts qu'on a dans cette vie, mais en même temps aussi ne pas produire autant de déchets et de destruction à la planète, de pollution surtout, parce que je vivais dans une ville qui était très polluée à Santiago. C'est une vallée, donc on est dans un trou et la pollution ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de vent, il y a des montagnes. Circulation. Oui, c'est ça. Beaucoup de voitures aussi. Oui, trop de voitures. Trop de voitures, dans un espace assez restreint. Oui, c'est ça. Et pour toi, Manuel? Alors, moi, j'en ai beaucoup. D'abord, j'aimerais bien lutter contre le sexisme, le racisme, tout ce qui est comme inégalité. Parce que je trouve ça bien triste que les gens ne soient pas reconnus à leur juste valeur, ou parce que, oh, c'est une femme, elle ne peut pas faire ça, ou parce qu'elle est de telle race, elle ne peut pas faire ça. Je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des gens qui aient encore cette mentalité en 2022, ah ouais, de penser que certaines personnes sont inférieures aux autres, alors qu'on est une seule race, la race humaine, donc il n'y a pas à faire de différence. Et j'aimerais aussi lutter contre la pauvreté dans le monde. C'est cliché de dire ça, je sais, mais quand tu es là, tu regardes qu'il y en a qui meurent de faim à travers le monde, ou il y en a qui n'ont pas droit à la scolarité et tout. J'aimerais bien un jour avoir les moyens. Je ne pourrais pas aider tout le monde, mais j'aimerais bien avoir les moyens de créer des associations qui pourront venir en aide à ces gens-là. Pour terminer aussi, les agressions sexuelles. Je me suis lancée à faire le droit juste pour ça, parce que quand j'étais petite, j'avais écouté une histoire sur une agression sexuelle qui la personne n'a pas été punie à la fin, et ça m'a vraiment révoltée. Je me suis dit, je vais faire le droit pour ça. Et maintenant, plus je grandis, plus j'en apprends dessus. Quand je deviendrai avocate, j'aimerais bien augmenter la peine concernant les agressions sexuelles, parce que je trouve que c'est très banalisé. C'est même, ouais, pas une question de misogynie. C'est tout le monde qui se fait agresser. Un homme peut se faire agresser, ouais, une femme peut se faire agresser. Et j'aimerais vraiment qu'on revoie la peine concernant les agressions sexuelles. Merci pour ça, vraiment. Ben, c'est pas mal ainsi que se conclut cette première heure de Mes racines, mon histoire. Et puis, je voulais vous remercier d'être venu en studio aujourd'hui. Merci. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, hein? Oui, bien sûr. Pour partie 2, oui, de votre aventure.